Après leur mission à Suzaï, où Herbert, l'alchimiste de la guilde, leur avait demandé d'assister un de ses collègues, qui s'est avéré être quelque pratiquant des arts démoniques, Mia, Rose, ainsi que leurs trois compagnons, sont revenus avec un résultat en demi-teinte. L'individu concerné étant plus dangereux que prévu, peut-être plus instable, et des risques environnants pouvant aussi planer sur la guilde. Leur dernier échange n'a pas été les plus courtois. Pour tout dire, il les a simplement mis à la porte, après qu'ils aient plus ou moins été, peut-être, un peu sonnés par les derniers événements. Malheureusement, en revenant, mission entre guillemets échouée et sans récompense, Rose et Mia pénètrent tous deux en premier dans la guilde. Ah, Mia, Rose, je vous attendais. Je vais me suivre, s'il vous plaît. Nous avons à parler, et vite. En effet. Allez, avance, Mia. Je crois que papy veut nous tirer les oreilles. Une fois dans le bureau d'Herbert, qui, pour une fois, semble étrangement en ordre, ce dernier ferme la porte, toujours accompagné de son golem, et se tourne vers les deux individus. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé à Suzaï? Je regarde Mia. Ton pote, c'est un taré. Je vous avais dit qu'il était spécial, particulier. Mais je m'en portais complètement garant. Oh, ouais, c'est un peu limite quand même. Il étudie la démonologie. Je suis parfaitement au courant. Alors ça, c'est un détail qu'il aurait peut-être fallu m'annoncer avant, parce que on était un peu pris par surprise sur ce coup-là. Ah, je m'attendais à ce que vous ne soyez moins surprise. Après tout, nous en avons un ici parmi nous, même s'il se fait discret. Ouais. C'est pas la première fois que j'entends parler de certains membres de la guilde qui reviennent après avoir combattu aux côtés d'un démon. Oui, mais là, on combattait pas aux côtés d'un démon. Il ouvrait des portails en plein Suzaï pour qu'on les tue. Si on n'avait pas réussi à les tuer, il se serait passé quoi à Suzaï? Il se serait probablement débarrassé. Et pourquoi il avait besoin de nous s'il pouvait s'en débarrasser? Pour des tests plus précis de ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas suivi l'exactitude de ses recherches, mais en l'occurrence, il est parfaitement capable, lui, de même, de se débarrasser des individus et des entités démoniaques. Jusqu'à un certain niveau, bien évidemment. Il est un peu... Disons qu'il est moins bavard. Particulier, c'est le cas juste, en effet. Ouais, il n'est pas clair dans sa tête, hein, plutôt. Ouais, on manquait peut-être d'informations pour faire... notre mission correctement. Je suis navré, Herbert. Surtout que sur la fin, là, il nous a juste foutu à la porte. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Et on a eu tous un blackout. D'après ce qu'il m'a dit, un certain manque de respect répété, semble-t-il. Rose. Oui. Bah écoute, vu que je ne savais pas sur quel pied danser avec ton énergumène de collègue, j'ai voulu utiliser ses propres armes, de 1, pour vérifier si elles étaient efficaces, et de 2, pour essayer d'avoir les informations de clarté qui nous manquaient, vu qu'il y parlait par énigme, ce qui est excessivement énervant quand t'essayes de savoir si la personne est plutôt du bon ou du mauvais côté. Et donc j'ai tenté ma chance, j'ai pris sa flèche de... Comment c'était de charme, c'est ça, un truc comme ça? En effet, une flèche de charme. Voilà, donc je l'ai touché pour voir ce que ça faisait, déjà, ça n'a pas fonctionné, et en plus de ça, il m'a mis dehors. Après, le reste, je sais pas ce qui s'est passé, je les ai vus tous sortir après moi, je me suis fait « Ah bon ?» D'après ce qu'il m'a dit, toujours, et ce en quoi je fonde une totale confiance, vous auriez effectivement tenté de le charmer. Bien évidemment, il prépare lui-même ses propres contre-mesures. Inutile d'espérer pouvoir l'avoir avec un moyen aussi, disons, peu développé. Et derrière, d'autres de la compagnie se seraient permis quelques remarques acides à son égard. Mais je sais pas, j'étais plus là, Mia, qu'est-ce que vous avez dit? Je sais pas, moi j'écoutais pas les autres, j'avais encore les oreilles qui sifflaient du truc d'avant. J'ai rien compris de ce qui s'est passé à ce moment-là, moi. Bref, en l'état, s'il ne serait s'agissait que ça, bon, j'aurais mis ça, disons, sur le compte de l'inexpérience. En l'occurrence, pouvez-vous m'expliquer pourquoi l'information sur ses activités a-t-elle fuité? Ah bon, ça, écoute, comme on savait pas savoir de quel côté il était et vu la dangerosité des expériences qu'il menait, on a fait un vote à main levée, il a eu l'unanimité pour qu'on envoie l'information. Il a parlé de vendre les armes aux plus offrants et de... Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup inquiété qu'ils partent énervés comme ça sur...
Il ne nous est pas venu à l'idée, éventuellement, d'abord d'en parler à la guilde. Non. Il a fallu que vous préveniez directement les autorités. Ouais, parce qu'il valait peut-être mieux que ce soit eux que quelqu'un d'autre qui s'attaque à lui sur notre tour de la guilde. Mmh. J'ai fait des rencontres en ville, Herbert. C'est-à-dire ? Je vais t'expliquer. Des espèces de zélotes menées par... C'est quoi cette histoire de rencontre, Mia ? J'avoue que je suis surpris. Oui, alors un groupe de zélotes qui ont l'air d'avoir pas mal d'argent. On m'a accosté sur les quais de Suzaï en me demandant des informations sur Frappalnos et toi-même. Et il semblerait que même si j'ai nié, il m'est reconnu pour être d'Arabelle, moi aussi. Et il a parlé de la guilde. Donc, vous pouvez m'en dire plus sur cet étrange individu ? Je t'en dirai un peu plus tard, mais du coup, il m'a semblé plus sage que ce soit quelqu'un de confiance, comme quelqu'un en particulier chez les Dragons Pourpres, qui ait cette information, plutôt que ça parte hors de contrôle et que ça retombe encore sur la guilde derrière. A priori, et notre cher contact de Dragon Pourpre n'est pas aussi sûr que prévu. L'information a fuité jusqu'à l'Académie, ainsi qu'à d'autres entités qui semblent s'être un petit peu trop intéressées aux travaux de mon collègue. Vient-il lui dire qu'il a disparu des circulations ? N'a pas su m'en dire plus. Mais nous en reparlerons de cet individu plus tard, si vous le voulez bien. Mm-hmm. Et quoi qu'il en soit, cette mission est donc, disons, j'ai envie de dire échouée, mais malgré tout, je crois que ces expériences ont porté leurs fruits. Donc, de mon côté, bien que cela engendre de bien nombreux problèmes dont vous êtes directement responsable, la mission ne souffrira pas d'un échec. Dans l'absolu. Toutefois, je crois savoir que vous n'avez pas non plus été payé. Considérez ça comme votre punition. Vous me mettez dans une situation extrêmement compliquée, tous les deux. Ainsi que vos collègues. Par rapport à ton collègue ? Par rapport à mon collègue, oui, justement. Et bien d'autres choses encore. Bah, développe. Permettez que je n'en souffre mot, ma chère amie. C'est justement cette rétention d'informations là qui a fait tout échouer. C'est justement votre... Vous avez su ce qui se passait. C'est justement vos derniers comportements qui m'invitent à plus de prudence. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, Rose, votre mission est réussie. Toutefois, vous n'êtes pas payé. Cela s'en arrêtera là. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir nous laisser. Inutile de dire que je suis très déçu. Oh, il n'y a pas de problème, si ce n'est que ça. Bon, Mia, je t'attends après, moi je vais boire une chope. Ça marche. Bien. Et ma chère Mia, déjà, avez-vous pu obtenir les informations que je vous avais demandées ? Tiens, voilà ta liste. Merci bien. Qui plus est, ma situation actuelle est plus que délicate. Si je ne me trompe pas, les individus dont vous avez fait référence sont effectivement probablement à ma recherche, ainsi qu'à celle de Profalneus et de bien d'autres encore. Totalement. Et ce faisant, il me semble plus prudent de me retirer, simplement, de la guilde, du moins de manière publique. Si je peux me permettre, je sais parfaitement que lorsque les Dragons Pourpres ont recherché certains de nos membres, une certaine guilde de la ville se serait occupée de leur dissimulation. Très bien. J'ai besoin que vous me mettiez en contact avec les dirigeants ou quelques responsables qui puissent m'organiser le même couvert. Hors de question pour l'instant que je reste en direct contact avec le reste de la guilde. Faut que je retourne à Suzaï ? Non. Je compte bien rester à Arabelle, le travail ici n'est pas terminé. Et bien que je doive maintenant travailler en sous-main, la guilde reste un vivier d'informations conséquent, dont j'ai, je dois bien l'avouer, une certaine tendresse. Ouais, c'est sympa ici. Hein. Ce n'était pas le terme que j'utiliserais, mais au moins on est en directe ligne sur tous les événements majeurs qui se produisent au Cormyr. Pour notre plus grand malheur ou bonheur, chacun y juge. C'est pour ça qu'il faut protéger la guilde avant tout. En effet. Toutefois, si en passant vous recroisiez ces étranges zélotes, parlez-leur de mon passé, disons, ma précédente collaboration temporaire avec la guilde. Dites-leur que je suis passé quelque temps et que je suis reparti.
Oui, ils vous connaissent, ainsi que d'autres membres. Vaut mieux les aiguiller. Ah, mais moi, j'ai tout nié, hein, pour... Je leur ai dit que j'avais jamais mis le pied à Rabel, moi. S'ils vous ont abordé tel quel, et a priori, ils vous connaissaient, je ne doute pas qu'ils reviendront. Et les connaissants, ils sont incroyablement tenaces, croyez-moi. Est-ce que tu veux que je cherche ton ami ? Non. Le connaissant, et de ce que j'ai pu tirer de notre discussion, il vous en veut, particulièrement d'ailleurs. Et bien que je m'efforce de faire médiateur, dans un domaine que j'excelle, bien que cela ne se voit guère, mieux vaut vous faire oublier quelque temps. Laissez-moi gérer ça. T'as qu'à lui dire que c'est un mal pour un bien, parce que s'il était tombé sur les zélotes plutôt que la garde pourpre, ça aurait pu... Vous connaissez notre ami Georges, je crois, ma chère Mia. Oui. Vous connaissez ses talents et ses capacités. Dites-vous que Frappalneus, depuis toutes ces années d'accumulation de connaissances, l'équivaut est de loin. Ah ben j'imagine bien, il m'a fait très peur. Ce n'est pas quelques zélotes qui vont l'en empêcher de faire ses recherches, croyez-moi. Bien. Moi, ces zélotes, ils m'ont fait très peur aussi. Comme tous les zélotes. Quoi qu'il en soit, à moins que vous ayez une autre question. Non. Bien. S'il vous plaît, ma chère. Pensez à mes contacts auprès de notre guilde préférée. Quant à moi, je vais entreprendre de nettoyer mes affaires, ainsi que mes traces, bien évidemment. Et je vous tiendrai au courant, une fois que cela sera fait, d'où me retrouver. Je m'organiserai avec les membres dirigeants pour leur faire part de la situation. Ok. Je vous fais confiance, ma chère Mia. C'est que malgré ce qui s'est passé, tu peux me faire confiance. Simple précaution. Duroc, s'il te plaît, veux-tu bien accompagner ma chère Mia ? Je te remercie. Allez, bonne soirée. Bye. Et accompagné de ce fameux golem, Mia repartit du bureau d'Herbert, qui se remit à son rangement inhabituel, et rejoignit alors son ami dans le grand hall de la guilde. Quant à Herbert, la suite se fera sans doute dans d'autres endroits, dans d'autres circonstances.